Ben. Oh, monsieur cochon. Deux monsieur cochon. Comment il kiffe. Dégage. Oh, celui-ci est plus gros que l'autre. Tabarnouche, ok. Il y a un chef, monsieur. Oh, si bois de colis. Il fait story. Il mange quoi de l'humain? Oh my god, c'est tellement l'endroit désagréable. On a envie d'aller manger avec eux. Ouvrez la porte. Des autres monsieur cochon là dedans. Je peux pas l'ouvrir hein, pour voir s'il y a des choses immondes à l'intérieur, des immondices. Oh oui. Monsieur cochon. Salut monsieur cochon. Oh, c'est un enfant qui a été transformé en monsieur cochon. Il a des jouets plutôt. Et toi? Oh non! C'est bien, c'est juste que vous le voyez, mais pas les autres? Non, ok. J'ai essayé pourtant. Oh! Monsieur Cochon? Sois Patrice, petit. Regarde d'abord. Fais-en à ta tête. Ok, j'ai le choix des portes là. Celle-là. Ok, là c'est juste une salle. Cochon. Mon pauvre petit gueux. Pourquoi il est transformé en ce cochon? C'est dommage, c'est bien dingue, mais dégueu. C'est dommage, triste. J'ose pas regarder des fois que ça me saute en pleine face. Salut. Pauvre petit cochon. Je peux même pas regarder, moi je joue. Hop là, on y va. Deux chemins mènent au même endroit. Ah, si c'est fermé. Bon, j'ai pas le choix. Ouch. Est-ce que je vais récupérer un peu de vide? J'ai l'impression que c'était pas une bonne idée ce que je viens de faire. Presque mort. Non, ça va être par là. Je descends dans le noir, Chris.
que j'ai le choix. Je vais par là. Je préfère celle de Bi. Hop là, je sais pas pourquoi, j'ai envie. Ça descend loin dans les enfers. Je vais pas les manger avec les cochons, là. Ils ont pas l'air très gentils. Ok, ça m'a amené, c'est la même chose. Ok, ça descend. Ah, je pense qu'on voit le bout. Il y a de la lumière au fond du tunnel. Oh. Ok, je peux plus remonter. Ah, oh, un passage. Tadam. Ah, j'ai pas regardé, c'était quoi. Oh. Flux et colonne vertébrale. Un linceul en guise de peau, un corps saigné. La pauvre Lily est pleine d'œufs de mouche. La pauvre Lily est morte et des rêves de jungle vont envahir son esprit et l'illuminer. Au rez-de-chaussée, là où il y avait plein de cochons. J'espère pas. Ah oui, un gramophone. Écoutons donc. You seem to have undergone quite a profound conversion in Mexico, Mr. Mann. You could not have seen it yourself and not, Professor. As we disembark, even through my fever, I saw the detritus of this so-called progress. I saw starvation and disease, rot and destruction polluting the waters of the Empire. We are ruiners, you and I, and all of us, and we make the world unclean. And you took it upon yourself to act as redeemer. Yep. Professor, I would not be so presumptuous. I am merely a conduit. I am constructing an architecture to wrestle our damnation to the ground and smother it with steam. C'est évident, ça. Et on y va. Fermé, fermé. Fermé et fermé. Fermé. Qu'est-ce qu'il y a là? Moi? J'arrive, j'arrive. Ah, salut! Je suis sûr que je vais retrouver mes enfants en cochon. Ah, il y a Monsieur Électricité qui est encore là. Ah, là, c'est que t'es là. Grimpe. Grimpe plus vite. Ahead, the trickle to still waters. I drag myself deeper into the temple, downward ever, towards a wind that held the voices of my children. Oh, c'est moi qui parle, c'est moi qui parle. Beckoning me to set them free. J'ai pas trop le choix. Mendes. Oh, là. Quoi? Quoi? Je vais t'en faire des brumes, moi. Où est-ce que je suis? Ok, on y va. Oups. Commande des pompes auxiliaires. Good. Faut vider l'eau, on va vider l'eau. Une manivelle. Ok, go. Continuons. Quoi? J'ai quelque chose d'autre à faire? Ok, ça s'est mis en route.
qui est ouvert là-bas. Ça, je vais pas passer parce que ça va me faire mal. C'est une petite manivelle à tout démarrer. J'ai l'air d'être descendu plus bas. Ok, là je peux pas y aller, il y a plein d'eau. J'ai l'air d'être descendu plus bas que là où il y a les cochons qui m'ont mangé. Dans ce côté-là, ça craint. Ce côté-là, ça a l'air d'aller. Ta carnage. Hostie. Je crois qu'ils m'en veulent assez, merci. Tabarnoche. Ouh. Oh les petits cons, je vous jure. Bon, là c'est fermé. Oh les. Ah c'est là que je suis tombé. Ok. Juste pas que je me trompe de chemin. On va voir par ici. Je suis là. Je suis presque à la fin. Hein. Ben, presque à la fin. Je vais d'abord aller voir, hein, faire un tour par là-bas. Ok. Je fais quoi là? Parce que j'avais l'autre côté aussi. On y va. On va y voir. Ah bah non. Ah fuck. Holy shit. Je viens-tu de me condamner pour lancer un objet? Ok, pour faire tomber l'échelle. C'est un beau trou pour rien. On tombe bien drôle à faire ce genre de cochonnerie. Je la comprends pas à quoi ça sert. C'était un moment de frayeur inventé. Sérieux, ils l'ont beaucoup moins dans celui-ci que dans le premier Amnesia. Désolé de faire ma critique là, mais je le trouve vraiment, vraiment moins effrayant. À part au niveau de l'ambiance, là, au niveau du son et puis tout le reste, là, ils ont fait un très beau travail. On peut dire que les sons sont là et la musique sont là pour nous effrayer. Mais c'est pété. Oh non, réparé. Ok, il en manque un. Mais au niveau de, vous voyez, c'est trop simple. J'ai pris ça, pouf, puis là, il est là l'autre. C'est ridicule. On le prend. On le pose. Et voilà, c'est fini. Vérifier que les vannes sont en place pour le bon fonctionnement des pompes. Ça qui est un peu décevant. Ben, oui, je suis déçu. Je suis vraiment déçu par rapport au premier. La pompe est en route, là c'est fermé. Bon, ça va. Peut-être que cette fois-ci, là où j'étais tout à l'heure, il y a quelque chose à faire. Ah, moi sur l'autre côté, j'avais vu. Oh non. Ah non, c'est pour évacuer l'eau.
celui-là. On va éviter de se faire mal. Parfait. Ouais, c'est ça le truc, c'est vraiment facile. Là, il suffit de suivre le chemin. Tout se passe bien. Oh, une nouvelle porte de téléportation. Ah, c'est drôle, je comprends ça. Non. Non. Okay, je vais les faire dans un ordre. Pas le choix finalement. Voilà.